toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA Mobile. Donc comme vous avez pu voir, c'est le mode Coupe du Monde. Enfin, que j'attendais ça depuis longtemps, les gars. C'est enfin sorti. Incroyable. Magnifique, les gars. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, là, il y a tout. Ah oui, il y a tout. Comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a le mode Coupe du Monde juste là. Donc là, je vais poster un Twitter dans pas longtemps. Donc je vais mettre ça sur mon Twitter. J'avais fait une capture d'écran si je me trompe pas, mais j'avais oublié de poster ça sur mon Twitter. Donc soyez réactifs sur mon Twitter, abonnez-vous sur mon Twitter parce que je poste tout à l'avance. Par exemple, là j'ai posté quelque chose qui viendra le jour où il y aura le tournoi, une cinématique que j'ai fait moi-même tout seul avec l'aide d'une application. En fait, j'ai fait du montage, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Et, en fait, tout ce que je fais, par exemple, les vidéos que je fais, en fait, ça sort en avance, par exemple. Là, il est... il est bientôt 13h. Là, je fais une vidéo à 13h. Et à 13h, puis, je la poste. Je la poste sur Twitter et après sur YouTube. Et, je vais faire un nouveau compte Discord, ne vous inquiétez pas. Ça sera aussi réactif. En tout cas, je vais bientôt gagner un nouveau joueur. Ok, c'est parfait. Là, comme vous avez pu voir, c'est mon équipe actuellement. Voilà, donc je vais faire une modification. Lui va sortir de mon équipe et que lui aussi. Voilà. Sinon, moi j'ai mis les commentateurs en français. Donc là, les graphismes, ils ont rien changé. Hein. Ça, je peux pas mettre les vidéos. Bref, donc sinon, après, ils ont rien changé. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, moi j'ai 60 SPS. Je sais pas si vous avez 60 FPS. Avec les 60 FPS, c'est incroyable. Hein. La qualité est vraiment incroyable. Après, c'est pas non plus la meilleure qualité. Donc là, j'ai les commentateurs en français. Donc, go tester le nouveau mode FIFA Win Coupe. Qui va être incroyable. Go tester. Donc là, j'avais déjà pris la France. Donc ça, c'est comme vous pouvez le voir, c'est le premier. Mais le premier match. Que je vais faire. Là j'ai mis en mode comme vous pouvez le voir, là je suis en mode professionnel. Voilà, là je suis en mode professionnel et quand je gagne bah je pourrai si je gagne, je pourrai débloquer le mode international et peut-être le mode légende, je sais pas. Donc moi j'ai regardé aucune vidéo, peut-être une ou deux. Dans le mondial pour ces deux pays avec ce premier match de poule, la France contre l'Australie. L'intensité émotionnelle, c'est ce qui caractérise ces matchs de Coupe du Monde. Hop. Incroyable. Incroyable la qualité. À la place de Benzema que j'ai raté. Comme j'ai pu voir, les commentateurs qui sont en français. Et quelques nouvelles modifications. Hein. Sinon, c'est tout. Hein. En tout cas, tout ce que je sais, ça me donne plus envie de jouer à FIFA Mobile. Après, je dis ça, je dis rien. Et hop là. Et le but incroyable. Magnifique. Incroyable. Premier but, 1-0. Ça va très très bien se passer, les gars. Ça va très très bien se passer. C'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait pas une peu conclure. Oh, c'était dangereux. Oh, je vais remettre c'était vraiment dangereux, les gars, ce que j'ai fait. Ah, le score de parité est donc 1 partout. Hop. Je sais pas si vous entendez bien le commentateur. Mais je vais laisser le volume comme ça parce que sinon vous n'allez pas entendre ma voix. Et voilà, ça va être un peu galère. Donc désolé, hier j'ai pas pu poster de vidéo, vous avez capté, c'est les cours. C'était les cours, donc j'ai pas pu poster de nouvelles vidéos. Voilà.
J'ai pas eu le temps. Et voilà. Bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Eh oui, c'est bien défendu. Ok, j'ai chaud. Benzema, il est tout seul. Il est tout seul. Mbappé. Ah, dommage. De plus, ok. Corner. Ok. Là, ça va être chaud là. Oh, c'est fini, les gars. Là, c'est la fin de la première mi-temps. Allez, c'est reparti la deuxième période donc dans ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. Ok. Donc là, ça va être chaud. Oui, bonne série de passes. Bonne séquence de possession. Le ballon circule bien. L'occasion de prendre l'avantage. Oulala, il allait marquer, le gars. Il allait marquer. Benzema. Benzema. Coman. Ballon vers Coman. Benzema. Benzema. Ok, merci. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Oh là là. Le ballon est touché, corner à suivre. Changement pour l'équipe de France. Ok, hop. Ah, j'ai joué doucement. Oh putain. Ouais, bien défendu, sans faute. Ça va être compliqué, les gars. Là, je manque beaucoup de concentration. Là, je veux vraiment me concentrer à fond. Mais si je parle pas, c'est que je suis vraiment concentré. Voilà. Et je vais peut-être rager bien un joué, peu. Bien défendu dans la surface. Un oh. Corner peut-être pour prendre l'avantage. Pourquoi il a touché calme. Quel tête, on a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Je pense que ça va. Là, ça va être vraiment chiant. Là, j'ai voulu sous-estimer le jeu. Sous-estimer, vraiment. J'ai vraiment sous-estimé. J'aurais dû commencer par le mode normal. Hein. J'ai vraiment sous-estimé, les gars. Alors, en mode légende, ça va être chaud. Hein. Hop. But. La faille. Ouais, quel bon arrêt. Dommage. Très important cette fin de match. Voilà une intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment du match. Et voilà, changement pour l'équipe de France. Intervention et donc danger. Ah oui, les changements sont automatiques. Ok, deux sur lui. Je laisse pas faire la passe. Si. Ouais, non. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Fini, les gars. Troisième période, les gars. Troisième période. Voilà, moi. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, les gars, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Là, si je me trompe pas, là, j'ai un point. Et bah, la Tunisie, si je me trompe pas. Ok. Donc là, je suis deuxième du classement. Donc, je dois absolument gagner contre la Tunisie, les gars. Donc, peut-être que je vais refaire une autre vidéo. Donc là, je vais faire... aujourd'hui, je vais faire plusieurs vidéos. Si j'ai le temps. Donc là, je tourne une vidéo à 13h. Après, vers les 14h, ainsi de suite, je vais tourner maximum 5-10 vidéos. En rapport au tournoi, vous inquiétez pas. Hein. Là, je peux voir les groupes. Donc, moi, je suis dans le groupe. Moi, je suis dans le groupe. D1, si je ne me trompe pas. Ouais, dans les groupes D. Ok, donc, là, on va voir qui. Ah ouais, l'Allemagne, ils sont chauds. Hein, et l'Espagne aussi. Ok. Le Kizi.
Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Oh, attendez, je pense que. Ok, là, je renvoie là. Ok, il n'y a rien qui. Okay. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc là, je vais récupérer des joueurs. Peut-être les roues achetées. C'est bon. Donc là, je vais faire des pièces aussi. Donc là, je vais les revendre. N'hésitez pas à les prendre, les gars. Hein. Là, j'ai tout ça comme joueur. N'hésitez pas, les gars, à prendre les. J'ai eu là les doublons. N'hésitez pas à prendre les. Je les vends, les joueurs. N'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et à la prochaine. Ciao, ciao.